Salut à tous, aujourd'hui j'ai une petite surprise pour vous. On est au Maracana, le plus grand stade du Brésil, et je suis avec le maestro du coup franc, Mister Juninho. Ça va? C'est un plaisir, ça va très bien. Ça va très bien. Plaisir d'avoir connaissance ici au Maracana, ici au Brésil. Merci beaucoup. Ok, bah merci à toi de m'accueillir ici. Voilà, vous savez tous que Juninho c'est le master du coup franc, et aujourd'hui je vais lui demander son secret, parce que en fait il m'a dit un petit truc, c'est un peu comme le freestyle, plus tu répètes, plus tu y arrives. Pour le coup franc, il faut respecter le geste, il faut répéter à chaque fois. Donc, pendant une semaine que je n'avais pas beaucoup de matchs, si j'avais un match par semaine, le mercredi, le jeudi, je faisais 40, 50 fois avec les gardiens remplaçants, avec d'autres joueurs. Donc, moi, j'aime frapper le ballon plutôt avec cette côté ici, si c'est plus près du but. À partir d'ici, par exemple, c'est... La distance, elle est importante parce que c'est difficile de dire, même pour un grand frappeur, je vais mettre le carne. Donc, quand c'était loin, j'ai commencé à essayer à frapper comme ça pour que le ballon puisse tourner un peu. Ici, c'était plus près du but, et là, quand ça a été plus long. Si c'était près du but, pas beaucoup de distance, comme ça, ça suffit pour moi. Pourquoi? Parce que la clé aussi, le dernier geste, le dernier geste, en fait, c'était toute la puissance que je pouvais mettre. Comme ça, j'ai rentré dans le ballon. Donc, j'aimais pas quand le ballon tournait comme ça, parce qu'il allait pas trop vite. Mais quand il est parti tout droit comme ça, après, il descendait un peu. Donc, d'abord, j'ai regardé les gardiens. Il y a des gardiens qui disent, moi, sur mon côté, je prends jamais un but. Donc, quand j'ai décidé de frapper sur son côté, j'ai essayé de cacher. J'ai déjà décidé. Ici, j'ai déjà décidé que je vais frapper sur son côté. Mais s'il est trop près du poteau, j'ai dit, ça va être difficile de faire quand même. Il faut qu'il parte trop avant. Donc là, je faisais quoi? Je vais essayer en pantalon au-dessus du mur. Des fois, je savais, c'est très loin, je ne peux pas marquer le but. Mais ce que je vais faire, je vais mettre le gardien en difficulté et mes partenaires vont suivre. Parce qu'il ne va pas réussir à garder le ballon. Il va essayer de bloquer et des fois il va lâcher. Donc on a marqué beaucoup comme ça aussi. Mon premier coup franc Maracanã, c'était contre Fluminense. C'était ici à peu près un coup franc. Donc c'était Vasco et Fluminense. Mais c'était l'ancien Maracanã. Donc je tirais d'ici, plein le carne, c'était un bon coup franc. Ici au Maracanã, j'ai marqué un autre ici aussi contre Botafogo. C'était ici et un autre l'autre côté, mais tout sur les anciens stades. Sur les nouveaux, j'ai marqué un seul but, mais c'était pas un coup franc. Est-ce que tu peux m'apprendre aussi les dribbles, parce que j'ai jamais été un vrai dribbleur. Voilà. Et maintenant, quand ton pied gauche retombe par terre, tu pousses avec le pied droit. Voilà, c'est ça. Ça me fait plaisir de t'avoir connaissance aussi. Félicitations. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour à tous en France. Merci aussi. Juninho qui a joué à Lyon. Donc voilà, comme vous avez pu le remarquer, on peut s'entraîner à différentes choses. Il y a plein de situations de jeu, comme par exemple les coups francs. Et ça peut te permettre aussi de sortir ton épingle du jeu. Il a dû passer des heures et des heures après sûr. L'entraînement. J'ai 40 ans là, je peux dire. Moi, là, sur ma carrière, j'ai marqué coups francs, 76 coups francs j'ai marqué. Donc avec Lyon, 44. Et j'avais la chance, à chaque fois que j'ai marqué un coup franc avec Lyon, on n'a jamais perdu un match. Donc, je pense qu'on a un truc. Tout ce que tu fais, c'est spectaculaire, c'est joli de voir. Et j'ai l'habitude de dire, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que difficilement, un but de coup franc, il n'est pas beau. C'est rare. Normalement, sauf si le gardien, il rate. Mais tu as le temps de frapper avant, c'est-à-dire, tout le monde te regarde. C'est un peu quand tu fais ton geste. Tout le monde qui est autour, il te regarde un peu. Tu sens une énergie quand même. Et ça m'a aidé beaucoup.